Moi, j'aimerais te poser une question aujourd'hui. J'aimerais bien savoir pourquoi ce sont les gens tarés qui font toujours des trucs de ouf. Pourquoi ce sont toujours les gens les plus barjots qui vivent des trucs de malade, tu vois. Qu'est-ce que tu penses que je vois? T'es un jeune, oui, voilà, tu viens avec des langues, à la fois en tout ce qui est vidéo, reportage et tout. Je pense qu'il y en a des tas comme ça. Et voilà, j'ai une chaîne YouTube, je fais ceci, cela. J'espère que tu kiffes un peu mon éclairage improvisé. Enfin, à la fin de la vidéo, je te montrerai comment j'ai fait ça, mais en vrai, ça a beaucoup moins de dégaines que ça en a l'air, tu vois. Oh putain. Ouais, hier, il y a eu un déluge, la baraque a failli s'inonder, tu sais, c'était un peu la tempête dans toute la France, je crois même. Il y a eu des sales inondations au Pays Basque et tout. Et du coup, j'en ai profité pour aller voir un nouveau film au cinéma. Tu sais, je t'ai déjà parlé des films de zombies. Moi, les zombies, c'est ma grande phobie, tu vois. C'est une parenthèse, hein, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais s'il y a un film à aller voir au cinéma vraiment en ce moment que je te conseille, tu vois, je le ferais pas si je pensais pas que c'était un sale film, tu vois, un truc vraiment vénère. Mais là, je te le conseille. C'est un film qui est en ce moment au cinéma qui s'appelle Dernier Train pour Busan. C'est un film de zombies coréen et attention le cinéma coréen, tu vois, je vais pas t'en dire plus vraiment. Moi, j'y suis allé sur recommandation parce qu'on m'a dit que c'était vraiment du lourd et j'en ressors mais j'ai tellement bien fait d'aller voir ce film. Va voir ce film si t'as du temps. Enfin voilà, tu mets 5 ou 6 balles, tu vas ressortir, voilà, tu vas chialer, tu vois. Bref, aujourd'hui, je voulais te parler d'un problème que j'ai souvent rencontré et que t'as peut-être aussi rencontré. Vu qu'on parle de voyage et que je vais bientôt partir en Australie, c'est vraiment totalement en rapport. Tu sais, t'as peut-être des fois voulu mettre en place dans ta vie des actions pour changer un peu ton quotidien, comme par exemple, je sais pas moi, faire du sport, partir à l'étranger pendant un an comme je vais le faire, te mettre à bouffer d'une certaine manière, ouais, je sais pas, aller courir tous les matins. Et souvent, quand tu mets en place ce genre d'action, bah, le truc, c'est qu'on le voit tellement d'une façon énorme, on le voit tellement comme une montagne, vu que c'est quelque chose de nouveau. Le fait que ce soit nouveau, tu le vois comme une montagne. Et du coup, faire le premier pas, tu sais, commencer le truc, ça te paraît impossible. Au tout début, quand je me suis dit que je voulais partir en Australie, je voyais ça comme, voilà, une étape, tu vois. C'est-à-dire que comment passer de la France à l'Australie? Il faut que j'achète un billet, il faut que je sache dans quelle ville je vais aller, il faut que je fasse mon sac, il faut que j'achète tel ou tel t-shirt parce que là-bas, il y aura la pluie, parce que je vais prendre des pluies d'Eleven. C'est un truc énorme, tu vois. Et il y a une méthode comme ça qui permet, en fait, d'outrepasser cette espèce de difficulté. Il s'agit de faire le premier pas en fermant les yeux. C'est trop con, mais je vais te donner l'exemple, tu vas comprendre. En Croatie, parce que j'y étais il y a 2 semaines, tu sais, il fait très chaud, tu vois, il faisait genre, des fois, il a peut-être fait même 40 degrés. Et du coup, quand tu vas dans la mer, même si elle est assez chaude, elle te paraît hyper froide. Et moi, il y a un truc que je fais pour rentrer dans l'eau, tu sais, les gens d'habitude, ils galèrent, tu vois, tu sais, tu te trempes la nuque, tu te dis, allez, je trempe le pied, j'irai dans 10 minutes et tout, et au final, tu rentres jamais. Au lieu d'essayer de me convaincre l'esprit à passer 5 minutes à me dire, allez, tu vas pas avoir froid et tout, enfin, tu sais, ce truc, ça marche pas, tu vois. Ce que je fais, c'est que je me pince comme ça le bras et dans ma tête, je me dis, dès que je me pince, allez, j'y vais, tu vois. Et du coup, je rentre dans l'eau, hop, je sens que c'est froid et tout, je commence à réfléchir et hop, je me pince, j'y vais, tu vois. Et c'est ça la technique de faire le premier pas en fermant les yeux. Je pense que tout ça, c'est un peu comme un muscle, tu vois. C'est le muscle faire le premier pas tif. Au fur et à mesure, quand tu l'exerces, quand tu fais de plus en plus le premier pas, quand tu commences de plus en plus de nouvelles choses en faisant ce premier pas, mais petit à petit, ça va te paraître beaucoup plus facile de partir sur de nouveaux projets. Ça va te paraître de plus en plus facile d'initialiser la démarche. Et il y a un truc que tu peux même faire pour pousser le délire complètement plus loin, par exemple pour le voyage. Si t'as envie de voyager mais que t'arrives pas à te décider parce que voilà, il y a plein de barrières qui te bloquent comme on en a parlé dans les autres vidéos et tout. Ce que tu peux faire, c'est prendre un globe comme celui-ci, tu vois, et tu te dis que ok, je fais tourner le globe, je l'arrête, hop, je vais au Cap Vert, quoi. Je connais pas ce pays là. Hop, tu fais tourner le globe. Tu vas, c'est quoi ça? C'est le Mexique. Tu vas à San Diego, tu vois. Et comme ça, t'as déjà fait le premier pas. Tu sais déjà où tu vas aller. Le soir même, tu fais un comparatif de billets et tu réfléchis pas. Tu vois, hop, tu prends le billet et comme ça, quelque part, t'as déjà ton billet et maintenant t'as plus le choix. Il faut juste que tu fasses les autres démarches. Et pour pousser le délire encore plus loin, si tu veux, ce que tu peux carrément faire, c'est que si rien que le fait de te dire que tu vas prendre le globe, ça te paraît trop gros, que tu sais que tu vas pas le faire, vu que tu sais que si tu prends le globe, tu vas devoir y aller. Si ça te paraît déjà trop dur, tu fais un pacte avec toi-même en te disant que la prochaine fois que t'entends le nom d'un pays de n'importe où, tu vois, que ce soit ton père ou ta mère qui l'évoque pendant un repas ou parce qu'on évoque le dernier film de zombies qui est sorti au cinéma, tu te dis que le prochain nom de pays que t'entends, j'irai dans ce pays dans 2 mois, tu vois.
Et comme ça, t'as déjà initialisé la démarche. C'est un peu barjot comme raisonnement, mais moi, je trouve que ça peut vraiment aider quand tu tatillonnes un peu, tu sais, quand t'as pas encore assez d'expérience dans de nouveaux projets, tu vois. Tu peux même l'adapter à des trucs qui concernent ton quotidien, tu vois. Moi, je te parle du voyage, du sport, de la bouffe, hein, peu importe. Toi, t'as sûrement d'autres choses, mais si tu veux, ça s'applique à tout. Donc, essaye de le remasteriser et de l'utiliser peut-être pour plus tard. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que... Ah non, il faut que je te montre l'éclairage, regarde. Regarde cette merde. En fait, le truc, c'est qu'il fait trop moche depuis, mais je te l'ai déjà dit, il fait trop moche depuis un jour. Et donc, je peux pas filmer avec la lumière de dehors, tu vois. Du coup, j'ai pris ma lampe là et je l'ai mise comme ça et ça me fait un petit cadre bien sympa, tu vois. Donc, voilà. Allez, je te dis à la prochaine. Ouh, je fais flipper là. Je te dis à la prochaine. Ciao! Je voulais juste que tu saches, aujourd'hui, je fais ma vidéo un peu d'une autre façon. D'habitude, j'écris tout mon texte, je le relis, je le répète et tout. Là, c'est vraiment différent. J'ai fait sur une base de prise de notes. Donc, si la vidéo paraît un peu plus brouillon, c'est normal. Enfin, je fais des tests, tu vois. Il faut bien que je me lance à un moment. Donc, c'est parti.